On est bien à la maison. Ça, c'est quand on est dans une maison normale. Après, vous découvrirez que si votre maison, c'est la même que celle qu'il y a dans Visage, le jeu qu'on parcourt en ce moment, vous serez pas si bien que ça. Parce que pour les gens qui n'auraient pas vu les streams précédents, il faut savoir qu'on est dans un jeu qui est tout en tension. Comment ça, trop de tension, trop de tension. Hic! Oui, bah c'est exactement ça. Donc le principe de Visage, c'est de vous démarrer le jeu sur une scène pas vraiment compréhensible, bien que franchement explicite, et puis de vous laisser enfermer dans une baraque, où il y a des gros problèmes d'électricité, on peut le dire, et où vous vous retrouvez tout seul face à vos démons, ou des démons de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais tout est que si vous avez regardé les streams précédents, vous avez pu voir quelques belles morts de ma part, et quelques petits cris de fillette aussi. Et donc on va y retourner pour savoir les tenants, les aboutissants, et de quoi il en retourne dans toute cette aventure. Alors le dernier stream que j'ai enregistré, malheureusement, s'est fini un petit peu abruptement sur un crash du jeu, puisque le jeu est encore en alpha, il n'est pas encore sorti, et il est quand même très prometteur, il faut dire, parce que si vous aimez, comme je l'ai dit précédemment, les choses suggérées davantage que montrées, il y a moyen que vous vous régaliez, quoi. Alors, on va s'offrir un petit luxe. Je vais encore vous monter le son du jeu. Parce que vous le valez bien. Et j'ai pas envie d'être le seul comment dire, à me faire dessus. Oui, voilà, c'est le mot. Donc, on sera tous ensemble à se faire dessus. Dans la liesse la plus totale. Alors, je vais voir, ça va être la surprise totale, où en est l'autosave. Parce que ça a crashé et j'ai pas envie de me retartiner pas mal de trucs que j'avais fait. Ouais, on est à peu près par là, on va dire, allez. Donc le principe, c'est de rester dans les zones lumineuses pour pas partir du chignon, puisque votre santé mentale peut dégringoler. Et par rapport aux événements qui se passent déjà pas très rassurants autour de vous, ça peut en déclencher d'autres qui sont dans votre imaginaire. Et ce qui fait que vous commencez à vraiment faire n'importe quoi et à paniquer. Ah! Je suis où? Ok. Un briquet? Donne-moi ce briquet, espèce de... Je veux le briquet. Alors, un petit coup d'œil dans mon inventaire. Je suis fucking full of briquetto. Et je suis où? J'en ai plus aucune idée. Bon, c'est pas grave. Normalement, j'étais passé à travers ça. J'ai toujours pas le code de SCOF, tiens, en passant. Ça me fait penser. Alors oui, c'est un peu stressant, la lumière. Mais il faut vraiment la gérer parce que... Le briquet n'est pas éternel. Et j'étais passé à travers ce mur précédemment. Alors que je sais pas ce qui s'est passé. Je suis peut-être revenu là, mais c'est peut-être normal. Puis de toute façon, faut pas trop poser de questions. Fuck. Ça y est, ça repart. Je vais y avoir droit. Je vais y avoir droit. Je vais prendre mes petites pilules. Que ça soit pas ma copine. Alors parce que il y a quelqu'un qui me cavale un peu après. Et c'est pas super glam. Parce que à chaque fois qu'elle me chope, je vous garantis qu'elle me sèche quoi. Alors ce que je vais faire, je vais prendre calmement. Ce qui est relatif. Hein. Non mais laisse-moi la light. Fuck. Ouais. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, madame. Regarde. Hop. Hop. Un petit calmant. Ça va aller beaucoup mieux. Hop. Hop. Je suis sûr qu'il se passe rien.
C'est juste une fille qui fait une crise d'asthme. Où qu'elle est la vilaine? Tu sais ce que c'est? Voilà conne, voilà conne. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Je regrette de t'avoir appelé conne, excuse-moi. Prends-moi mon cœur ou ma mâchoire, je sais pas. Parce que tu m'as l'air d'avoir un petit problème à la bouche, gamine. Ça va le faire, ça va le faire. Donc il faudrait que j'aille jusqu'à je vais essayer de me rapprocher de cette porte avec du rouge dessus, ce qui est vachement rassurant d'ailleurs, et ce qui est exactement le premier endroit où on partirait se réfugier. Mais bon, je vais essayer d'y aller. Puis on va voir si je survis plus loin. Nibachi. Ouvre-moi ça. Je sais pas ce qui se passe ici, mais c'est... Le jeu a pris le contrôle là. C'est. Un nounours, je vais aller voir le nounours. Les nounours sont mes amis. D'ailleurs, j'ai ma peluche pour faire ce stream. Hein. Oh miracle, j'ai réussi à sortir de la baraque. Mais en fait, il n'y a pas de baraque. Ah, je suis en train de devenir dingue. Culpabilité. Bah, c'est pas moi. Nounours, nounours. Je suis photographié, ça me fera un souvenir. Comme ça, je tiendrai la photo contre moi quand j'aurai très peur. Il y a plein de nuns. Vous avez raison les nuns. Mettez-vous en groupe. On tient mieux comme ça. Ah, du coup, je suis quand même. Je sais pas si je suis dans la maison ou si je suis vraiment sorti ou si je suis en train de faire un gros trip. S'il y a des champignons. Surtout, faut pas que j'y touche. Oh, le panda du harcèlement sexuel. Oui, bah si tu ne regardes pas South Park, c'est que tu as pas très bon goût. Je vois pas ce que tu fais sur The Big Lebowski. On a à peu près le même genre d'humour, oui, effectivement. En tout cas, t'es quoi, salaud? C'est maman panda. Ah oui, c'est une grosse peluche, ça. C'est Totoro, quasiment. Soit. Alors, pourquoi je fais des photos en plein jour régulièrement? Bah, tout simplement parce que ça me permet de voir des... Vous êtes super mal cachés, les gars, je vous le dis. Ça me permet de voir des choses qui sont pas très visibles, des fois, de ce que j'ai compris. Alors comment ça, je marche à 2 à l'heure? Bah oui, je vous y verrai bien, vous. En plus, c'est trempé, c'est un coup à se mettre un gadin, quoi. Dans les bois, ça glisse. Ça glisse. Quelque chose à voir là-bas? Non. Bon.
Je suis Lucie. La télé te parle. La radio te parle. De la télé, tu as un ami qui sort jouer avec toi, mais qui t'énerve un petit peu et... qui garde ta cabane. Ouais. J'espère pas trop quand même. Et que... Il y a une histoire avec ton piaf. Friend did it. Je développerai bien, mais j'ai peur que ce soit un peu pessimiste, donc on va éviter. Hein? Je voudrais pas semer le pessimisme, justement. Ah, j'ai pas trouvé la clé, va falloir que je revienne ici. Je vais te mettre une fessée, tiens-toi. Ah, ça fait du bien. Il n'y a pas de notes que je puisse ramasser. Non, bah, c'est tout ça. Ok. Si je joue avec la radio, qu'est-ce qui se passe? Il y a ton ami qui va sortir? J'espère pas. Salut. Je vais toucher cette radio. Elle ne marche pas. Ce qui est quand même vachement triste. Et il y a une petite matrioshka qui est planquée dessous. Alors il faudrait que j'arrive à bouger au moins la boîte ou bouger quelque chose, n'importe quoi. J'ai pas le temps de voir ce qui se passait. Une ligne smoky, oui ça je sais. Alors vu qu'on est en alpha, ça se trouve c'est un sac de cul et c'est pas encore inclus dans la narration. Salut, je voudrais redescendre, juste. Non, tu ne peux pas, tu es coincé en hauteur. Alors je tourne les trucs des fois qu'il y a un code, parce que je vous rappelle qu'il y a un coffre dans la maison. Si par magie j'arrive à rentrer. Oh. Et à défaut de trouver ça, bah, j'ai trouvé une clé, ce qui est pas mal, parce qu'il y a un coffre. Juste à côté. Et ceci dit, j'ai un gros coffre dans la maison si j'arrive à y retourner. Ce serait bien que je trouve la clé. Parce que des clés, il y a l'air d'en avoir un paquet, quoi. Alors, l'histoire se construit, hein, parce que la première fois que j'ai rencontré la gamine, elle m'a pas attaqué. Par contre, y a une seringue qui est tombée. Quoi? Ouais. C'était obligé que la nuit tombe là, tout de suite. Ou c'était juste pour me faire plaisir. J'ai super envie de descendre. J'ai pas super envie de descendre. Je suis pas super enfermé. Tout va bien se super bien passer. Oui. 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 Je suis pas pour vous, mais moi je trouve que ça sent roussi. What the...
On m'a arraché tous les interrupteurs, c'est dégueulasse. C'est totally dégueulasse. Je veux ce briquet. Je veux cette schnitzel. Mais je voulais cette bougie pour... Alors on va jeter un briquet discrètement. Plop. Non, pas plop. Voilà. Donc je disais plop. Et on va prendre cette bougie. Alors j'ai pas l'impression de la prendre vraiment, mais c'est pas grave. Bon, je vais pas insister, ça me... C'est pas que ça me stresse, mais quand même. Oh, encore un briquet. Ça fait quand même beaucoup de briquets, je trouve. On va faire comme ça, les enfants. Hein? Voilà. J'entends quelqu'un qui a de l'asthme. Elle en veut la petite, elle en veut. Hein. Alors, je sais pas où l'autosave va me remettre. Ça va être sûrement devant la télévision. Ce que je vais faire, je vais contourner par la gauche et essayer de passer par l'issue qui me semble la plus probable. Aller faire un petit tour. Et trouver un endroit serein, calme et détendu. Genre le parc à boules dans les trucs McDo, quoi. Comment ça, j'ai passé l'âge? Non, non, là, je flippe trop. Il n'y a plus un seul inter, les gars. Je me suis fait niquer tous les inters. Do not turn off the monitor. Ça fait envie, hein. Hall de quoi? Bon, là, je suis bien. Oh, il n'y a plus un seul inter, les aminches. Je me suis fait vraiment... Banané quoi. Je suis encore tombé sur ma copine, c'est obligé. Je vais tomber sur ma copine, c'est obligé. Je le sens. La musique est très rassurante. La musique me veut du bien. Hop, papa, hop, hop, elle est là-bas. Je me casse là. Je suis caché. Non, pas le. Ça fait mal. Souffler, hein. Bon, elle va me poser un problème la petite hotte. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire le truc de Benny Hill, c'est-à-dire je vais essayer de la tirer dans un coin, si j'arrive à la matérialiser, la voir. Comment ça je parle très tendu et très saccadé encore? Ce qui trahit une certaine tension. Pas du tout, regardez comme je suis détendu. Et donc on va faire comme ci, on va faire comme ça, je vais regarder mon inventaire, je vais prendre un briquet en plus, parce qu'on a jamais trop de briquets sur soi, vous comprenez bien. Et je vais pas faire mon petit tour, parce qu'elle arrive par là. Donc je vais aller direct par là.
Parce que je suis un ouf, moi. Plouc. Ouvre. Seul inter dans la baraque. Tous les inters ont été arrachés. Mais quelle est donc la teigne qui a fait ça? Non, non, je retourne au début du jeu, moi. Je me casse. Avance, Mekai. T'inquiète pas. Hop, hop, avance. Reste dans la lumière, reste dans la lumière. Fear is the main killer. Fear is the main killer. Je l'entends qui se ramène. Hein. J'ai plus un seul inter, les aminches. Il va y avoir une tragédie, je le sens. Y'a rien qui m'aide ici, rien, rien, interact. Que je l'entends. J'ai rien contre l'asthme, mademoiselle. Non, les pilules que j'ai avec moi, c'est pas des bonbons, c'est des calmants. Foutez-moi la paix. Je me cache. Derrière des chaises. Ce qui est stratégiquement absolument judicieux. Je vais me mettre devant la Vierge Marie. Je vais prier. Comment ça, je suis pas gâteau? Mais c'est pas grave, ça peut peut-être marcher. Merde, la voix de la connasse! Hippie, hippie. Dégage. Dégage. Dégage! Ne me touche pas! Va les affaires! Aïe! Oh non! Oui! On avait dit pas les affaires! Tu es pas engueulé! Alors je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour échapper à cette petite teigne qui apparemment a un petit problème de mâchoire si j'ai bien regardé. Vous me confirmez ça? Je pense que... Elle doit en chier un petit peu pour croquer des hamburgers. J'arrive plus à parler. C'est pas du tout l'émotion. Qu'est-ce que vous croyez? Enfin, que diable. On y va, on fonce. Ça marche bien ma technique de foncer. Même si c'est n'importe quoi. Allez, on y va. Tranquille. Vas-y, pile. Mets la lumière. Il n'y a plus aucun inter là-haut. Pourquoi tu y retournes du coup du con? Je sais pas. Une intuition. Je vais voir des fois que je puisse pas sortir, ça serait bien. Non. Et mon personnage, il s'accade tout seul. Je vous garantis que c'est pas moi qui tremble. Petite. Tu es là, petite? Si tu es là, dis-moi le pas. Pourquoi c'est verrouillé? This fucking door doesn't open. It's so strange. J'ai essayé de me prendre. Mais merde, je suis dans un cul-de-sac. Faut pas que je reste là, c'est bad. L'autre, elle va arriver, elle va me sécher. Bah oui, parce que c'est. Non, 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 non. Dis-moi qu'elle est pas là. Non, elle est pas là. Coucou! Putain, cavale. Elle est là-bas. Elle vient droite sur moi. Et toi là. J'arrive pas à fermer les portes. J'arrive pas à fermer la porte, la putain de sa mère. Ferme ça.
Où qu'elle est cette conne? Oui, bah je me permets quand même, parce que je veux dire. Elle est pas loin, hein. Je voudrais prendre une pilule, mais je sens que le temps que je le fasse, je vais me faire écharper. Ah, ça va aller mieux. Tenter par là. Si elle est dans la baignoire, je vais faire un jump. Il n'y a plus un fucking inter. Je vais m'enfermer là, je serai bien. Et je vais prendre plein de pilules, je vais me mettre dans la baignoire et je vais faire un gros dodo. Oh, il y en a encore là. Ah, mais je suis full, ok. Je peux pas aller me baigner? Je peux pas me cacher dans la baignoire? Vraiment pas de vrai? Non, mais sérieux, les gars, faites quelque chose. Ah, ça se rallume. Cool. Ceci dit, ça se rallume. Ceci dit, ça se rallume. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière cette porte. Et ça se rééteint. J'ose pas. Non, vraiment, j'ose pas. Alors, ferme-moi ça, je vais pas y aller. Il est juste à côté, je vais faire un jump de sa mère. Elle te voit pas, elle te voit pas, elle te voit pas! Cours! Perso fait, laisse-moi parler. Vu le bruit que mon perso fait, je me demande si elle est pas en train de s'équiper en mâchoire nouvelle. It's gross. On va faire une dernière tentative, et puis si j'arrive pas à passer et aller à un endroit qui déclenche quelque chose, on va abdiquer, puis je vais tourner en rond hors stream. Comme ça, je vous m'entendrai pas crier. Bah oui, parce que crier c'est bien, mais avancer c'est mieux. Oh non, pas déjà! Ta-da-da-da-dum! Ta-da-da-da-dum! Cours! Cours! Non, cul-de-sac! Ouvre! Bon, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Hop, oh, putain, je peux pas me planquer. C'est pas très malin de se mettre dans un cul-de-sac. Surtout quand on a une espèce de taré qui vous part aux fesses. Et qu'il n'y a plus un interrupteur dans cette baraque, bordel! Elle est juste derrière. Faut que j'aille jusqu'à cette porte. Ça va être le calvaire de tous les instants. C'est une bonne idée de passer ici.
Où qu'elle est? Où qu'il est? Où qu'il est le bébé? Je sais plus où je suis. Cours, 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 Forest, cours, ouvre la porte. J'arrive pas à ouvrir la porte! C'est sur cette triste et morne défaite et cette belle publicité pour de la Ventoline que nous allons nous quitter. Parce que je crois que la petite mémère va me poser un petit problème pendant un gros moment et que c'est peut-être pas vraiment la peine de l'enregistrer. Donc je vais essayer d'esquiver et voir où c'est que je peux me réfugier parce que j'ai pas vraiment compris quelle issue il fallait que j'engage, et puis comment me débarrasser de cette petiote qui m'a l'air un petit peu remontée. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle aventure dans Visage.